frontal autant on essaye d'aller assez franco sur le début. Attention à bien être symétrique, à bien être dans l'axe des élévateurs, donc on va clipser nos commandes de frein. On va saisir nos élévateurs avant et on tire bien dans l'axe des élévateurs, bien symétrique. Et on se prépare à reprendre les commandes au cas où il y a quelque chose à faire. C'est quand tu veux, Olivier. Oula, barre. Alors, attends, récupère tes commandes. Du frein à droite, du frein à droite, ton contre 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 à droite, commande à droite, commande à droite. Voilà, ok. Alors, on va essayer de décravater ça. On va faire un grand coup de frein bien en plat gauche. Un grand coup de frein, on relâche. Ok, ça marche pas. Grand, on teste un autre. Grand coup de frein à gauche et on relâche. Ok, on n'y arrive pas. On contre à droite toujours à la sellette. On va aller essayer de chercher la suspente du stab et de tirer sur la suspente du stab pour essayer de ressortir la cravate. Ouais, on essaye d'en mettre. Vas-y, on essaie d'aller la ressortir. Hein. Je crois qu'elle commence à prendre le chemin. Voilà. On peut réessayer aussi le grand coup de frein ample. Hein. On peut réessayer aussi le grand coup de frein ample. Ok, réessaye avec ton stab. Ah, là, tu vas finir par l'avoir. Vas-y, réitère les coups de frein. Bah, essaye avec le stab plutôt. Essaye avec le stab de voir si tu arrives à la sortir. Ok, donc bah écoute, on n'arrive pas à décravater. Maintenant la question c'est est-ce qu'on essaye de poser comme ça. Donc si tu te sens d'essayer de poser comme ça avec la cravate, tu me fais un grand ciseau de jambe mon Olivier. Ok, eh bah écoute, dans ce cas là on se dirige vers latéraux et puis tu fais bien gaffe hein, à pas me faire péter une base vive. Arrête de la bidouiller parce que là sinon tu tombes sur le sol. Donc essaye de bien gérer ta trajectoire et gérer ton approche comme ça mais...